Et bonjour tout le monde, ici Atlante pour cette troisième partie sur le compte à rebours. Compte à rebours qui, si vous faites l'effet inverse, peut devenir un compteur tout simplement. Il faut juste faire défiler les chiffres dans le sens qu'on veut. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà, donc bon, cette fois-ci c'est le compte à rebours. Hein. Troisième partie, donc je disais, donc pour cette fois-ci les dizaines. Hein. Tant qu'à faire, autant faire, au lieu de faire un compteur de 9 à 0, en faire un de 99 à 0. Donc nous allons passer donc nouveau derrière hein, pour la construction du second carrousel. Donc second carrousel qui est différent. Donc là j'en profite tout de suite pour enlever ça. Donc il va falloir que j'explique que j'ai pas expliqué dans la deuxième partie quand on a fait le carrousel. Donc on a fait le carrousel, donc pourquoi déjà cette forme et tout ça. Donc il faut savoir, donc là si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous avons 10 blocs pour 10 chiffres. Donc tout simplement 10 blocs pour 10 chiffres. Donc de 0 à 9, ça fait bien 10 chiffres. Pour les dizaines. Donc les dizaines, ça va pas jusqu'à 10. Hein. Nous avons que 6 dizaines. Hein. Donc il y a 60 secondes dans une minute. Hein. Ou 60 minutes dans une heure. Donc 60 secondes. Par contre, un carrousel à 6 chiffres, nous ne pouvons pas le faire. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste le doubler. Nous allons faire un carrousel à 12 chiffres. Mais attention, ça sera 12 chiffres. Mais en fait... 2 cubes et qui 2 cubes si là on considère que 1 cube c'est un chiffre, dans le deuxième carrousel 2 cubes seront égales à un chiffre. Donc ce qui fait que 12 divisé par 2 ça fait 6 et nous aurons nos 6 chiffres. Donc construction du carrousel, donc là du coup pour essayer de rester à peu près ça va être un peu dur. On va se reculer un peu. On va se reculer. J'aurais peut-être pu m'avancer un peu plus avant pour l'autre. Là, on va... Bah, on va se reculer et se décaler. Dommage. Se reculer et se décaler. Ou est-ce qu'on pourrait le faire dans ce sens-là? Ça serait peut-être... Ouais, de toute façon, ça serait quand même décalé. Donc, on va se reculer et se décaler un petit peu. Donc ok, donc on va commencer à partir de là. Donc qu'est-ce qu'il faut au nouveau? Des pistons cette fois-ci, pas des pistons collants. Je vais garder les blocs de quartz, là, les répéteurs redstone et torches, les blocs bleus, les blocs de verre, l'obsidienne, il y aura besoin, et il n'y a rien besoin d'autre. Donc on recommence, comme avant, on met 1, 2, non, on va pas être trop loin, non, comme ça, allez. Pas besoin de se mettre trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est simple. Là aussi, toujours un huitième. Si je rajoute le huitième, ça, c'est toujours une sortie. C'est ce qu'on va avoir justement sur l'ancien carrousel. C'est comme ça, vous pouvez accumuler les carrousels et faire, par exemple là, nous avons les secondes. Ben, après, nous pouvons mettre les heures, ainsi de suite. Donc je vous expliquerai ça donc juste après. Comme quoi, une fois qu'on a les secondes, après tout le reste se fait pratiquement automatiquement avec les sorties des carrousels. Donc la seconde sortie, parce que là la première sortie c'est pour l'afficheur 7 segments. Donc là, hop, donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va partir un peu comme avant. Donc là on va faire. Donc c'était. Cette fois-ci, c'est plus. On monte. Alors. Là, c'est toujours en bas. 1, 2, 3. Ça y est, je suis déjà perdu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 à partir du piston. Je crois. Non. Il y a le piston. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3 après le piston. Voilà. Voilà, 1, 2, 3. Et puis, bon, 4, 5. Et là, on va mettre... notre piston dans ce sens là. Ok, là tout de suite je vais en profiter pour, avant que tout soit construit, je vais mettre ma barrière d'obsidienne pour éviter les bugs et tout de suite
Tac, 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 tac. Hop, voilà. L'alimentation. Comme ça. Pop, pop. Voilà. Comme ça. Ok, là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc la seconde rangée. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, par contre, là, cette fois-ci, on monte de... Donc là, 1, 2, 3. Hein. Là, ici, on va monter de 4. 1, 2, 3, 4 cette fois-ci. Pas de 3. Avant, on montait de 3 et le piston, il était ici. Cette fois-ci, on monte de 4 et le piston, il est après le quatrième. Donc, non. Vers le bas. Qu'est-ce que tu veux ? Hop. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, et hop, et là, un cinquième. Ensuite, on part. Nouveau. 1, 2, 3. Donc. Tac, tac, tac. Comme ça. Voilà, et puis là, normalement, bah, donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est normalement, là, c'est bon. Tac. Donc on va terminer les rangées. Hop. Là, maintenant, à partir de là, c'est la même chose que l'ancien carrousel. C'est exactement pareil. Ici, 1, 2, 3. 4 et ici hop non celui-là il reste sur 1 voilà donc là tac 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 hop donc là nous avons le bas et il nous faut allez hop et on remonte comme avant. Tac, on remonte. Donc là, par exemple, par contre, là, cette fois-ci, on sera. Hop. Et tac, 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 comment que. On va faire. Voilà. Là, ça devrait, je pense. J'ai un peu peur de foutre le bordel. Donc, je vais juste vérifier un peu comment que j'avais fait. Ouais, effectivement, le deuxième carrousel passait par au-dessus. Donc. Faudrait que. Hop. Je voudrais faire monter. Bien, le signal par-dessus. Comment que là-bas j'ai fait pour que ça arrive par l'autre côté? Je suis moi-même. Ouais, en décalant un peu. En me décalant un peu. Donc d'ici. Comme ça. Et non. Alors franchement. Merci Atlante de nous faire des vidéos toujours aussi longues.
Je me décale. Ah oui, mais je suis allé vraiment plus loin que. Oui, là je me suis pas assez décalé en fait. Je crois que j'ai fait. Voilà. Hop, hop. Hop. Donc. C'est toujours bien quand on arrive à directement là où on veut. Voilà, ça y est. Là, enfin, nous y sommes. Voilà. Bon. Et de l'autre côté, est-ce que ça va me faire chier? Pareil, je vais tout de suite aller regarder hein, pour pas être emmerdé. Donc voilà, donc cette fois-ci, il n'y a pas de décalage, c'est directement depuis la ligne. Voilà. Tac. Directement depuis ici. Pour pas être emmerdé. Tac, tac. 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 Mais non. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va, on relie. Tac. Hop, hop. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit, justement, il faut essayer de trouver les chemins les plus courts, les moins longs. Il faut toujours que ça garde après le répéteur 15 maximum de distance. Donc là, répéteur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout juste, hein, vous voyez, tout juste. Hein. Donc vraiment, il faut éviter trop les grands détours. Donc ici, on va maintenant faire ben, comme avant, le carrousel. Donc là, ici, je vais tout de suite, hop, la sécurité. Comme avant. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais bon, pour être sûr, hein, vous avez vu moi les problèmes que j'ai eu avant. Voilà, ça. Donc c'est ceux qui bougent en premier qui ont les cubes. Ici, nous allons aussi nouveau partir. Hop, nous allons mettre l'alimentation. Tac, 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 tac. Alors là, normalement. Ouais, c'est bon. Ça n'interfère pas. Yep. On va fermer ça. Voilà, donc nouveau, comme la première fois. Tac, 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 tac. Et une sortie, donc toujours une sortie, pourquoi? Ben justement, pour le cas où vous rajoutez un prochain carrousel. Donc ici, c'est bon, donc on termine le carrousel, nouveau. Voilà, donc ben maintenant on va vérifier si ça fonctionne. Et toujours, il nous faut toujours un pulseur. Donc là, cette fois-ci, on va mettre le pulseur. Hop, hop. On va le décaler un petit peu plus. Hop, par là. Un, deux, trois, quatre. Hop. Hop, voilà. Hop. Et donc. Pour d'abord tester, on va un bouton et on va vérifier si ça tourne. Ça a l'air de tourner sans bug. Voilà.
Donc là, je vais nouveau partir sur de l'accéléré pour relier l'afficheur 7 segments. Alors là, ici, il faut que c'est pas là. Voilà, c'est ici. Donc, je vais aller, je relie nouveau l'afficheur et on se retrouve tout à Voilà, l'heure. donc. On va nouveau refaire nos chiffres. Donc, nos chiffres, hein, c'est comme le premier carrousel. Donc, ça, cette fois-ci, donc je vais le faire avec vous, mais je mettrai un petit. Une petite annotation. Normalement, je devrais réussir à faire passer la vidéo, ou sinon avec le time code de quand reprendre la vidéo si vous voulez pas voir le câblage des chiffres. Donc voilà. Donc ici on va commencer. Donc comme c'est un compte à rebours, donc on commence à 6 cette fois-ci. Ouais, donc à 6. Alors, donc on commence pas à 9 hein, cette fois-ci, on commence à 6. Donc le 6, le 6, le 6, on est là. Le 6, il faut éteindre l'orange. Donc l'orange. Hop. Donne-moi du vert. Voilà. Hop, on éteint l'orange. Donc normalement on a le 6. Et là justement, le truc, la particularité, c'est qu'il faut le faire deux fois. Donc on éteint deux fois. Donc on veut deux fois le 6. Ça se remarquera pas sur l'afficheur, mais c'est comme on va pas on n'a pas 10 chiffres cette fois-ci, on en a que 6, 6, 6. Ben non. Oui, 6, on a 6 chiffres. Mais c'est pas. On commence pas par 6, on commence par 5. Je suis bête. Parce qu'on va de 0 à 5. Le 6 n'apparaît pas. Ah oui, bah ouais, non. Alors là, du coup, petit truc. Parce que là, je parle du coup en secondes. Un compteur qui compte les secondes, les minutes. Donc 60 secondes dans une minute. Si vous voulez un décompte qui va de 99 à 0. Comme j'en avais parlé dans la seconde partie ou la première partie, je parlais de 99 à 0. Vous faites exactement le même carrousel que le premier. Vous faites exactement le même carrousel que le premier. Là, en fait, je fais le cas où en fait on compte des vraies secondes, donc un vrai compte à rebours de vraies secondes, pas un compte à rebours de 100 à 0 ou de 99 à 0. Hein. C'est vraiment donc un compte à rebours d'une minute. Hein. Donc un compte à rebours d'une minute. Donc ce qui fait que donc on commence donc le premier chiffre sera pas 60, hein, parce que normalement quand on est à une minute, donc c'est 1, 0, 0, ensuite on arrive à 59. 59, 58, 57, ainsi de suite. Donc on n'a pas le chiffre 60 qui apparaît. On a au moment où on lance le compte à rebours, hein, quand il est à 0, on lance le compte à rebours, on est à 59. 58, 57, ainsi de suite. Donc voilà. Donc le premier chiffre, c'est pas le 6 cette fois-ci, c'est le 5. Donc le 5, il me faut un 2. Donc hop, 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 hop. Il faut que j'éteigne le jaune et le orange. Donc le orange, donc là, on va tout de suite ici, tac, tac, 2 et le jaune. Hop, hop. On va appuyer tout de suite deux fois. Pour pouvoir faire tout de suite les deux. Donc, 5, le 4. Le 4. Donc, hop, 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 hop. Et... Tac, tac, tac. Donc, il faut que j'éteigne... il faut que j'éteigne le jaune. Ouais. Le jaune. Le jaune, le rouge et le rose. Le jaune, le rouge et le rose. Yep. Donc, jaune, rouge et rose. Jaune, rouge et rose. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. 4. Ensuite. 3. Donc le 3.
Donc il me faut le magenta et le jaune. Éteindre le magenta et le jaune. Tac, tac, tac. Donc magenta et jaune. Le 2. Il faut que j'éteigne le magenta et le vert. Donc, vert et magenta. Et le 1, il faut que j'éteigne tout sauf le orange et le vert. Tout sauf le orange et le vert. Voilà. Tout sauf l'orange et le vert. Donc là, du coup, normalement, ces chiffres, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, on va se faire un petit... On va passer par où ? On va se faire un petit bouton nouveau. Ah, pourquoi on est à 8? Ah, j'ai oublié le 0. J'ai oublié le 0. Oui, on commence à 5, mais on termine à 0. Et donc là, effectivement, hop, il manque un chiffre, c'est le 0. Donc il faut que j'éteigne le bleu. Le bleu. Et comme quoi, hop, on oublie facilement hein, dans les chiffres et tout ça. Alors, le bleu, le bleu, le bleu. Le bleu, il est là. Hop, hop. Et hop, voilà. Donc là, on a le 0. Voilà. Donc. Alors, 5. Ok. Normalement, si je rappelle une fois, ça ne change pas. Il faut que je rappelle une deuxième fois. 4. Deux fois. 3, 1, 2, alors 2, ok, le 1, le 1, ok, et le 0, encore une fois, et le 0, voilà. Bon, donc là, nous avons nos deux carousels. Maintenant, il faut les relier, et pour les relier, il faut tout simplement, vous vous souvenez, la dernière roue du carrousel, la sortie, ici. Donc ici, on va remplacer la roue par complète que du vert. On va y mettre que du vert. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Donc, on va déjà mettre notre compteur sur 0. Parce que au moment où on est alors à 0, bon, on va déjà le mettre oui, sur 0. 4, 3, 2, 1, 0. Donc là, il est sur 0. Donc, normalement, c'est au moment où on passe à 9. Donc là, disons, je vais me le mettre justement sur 5. Voilà. Là, on est à
Bah, j'aurais pu le laisser à zéro, c'est pas grave. Donc là, on est à 50 secondes. Donc le prochain chiffre après 50, c'est 49. Donc au moment où on passe à 49, celui-là doit passer à 4. Donc là, déjà, si j'appuie ici sur 49, voilà. Donc c'est pas 59 qu'on doit avoir. Donc là, il nous faut une sortie. Il nous faut une sortie. Donc la sortie, ici, on va hop la mettre. Voilà, il a une sortie. Et bien sûr, il faut que je récupère cette sortie. Donc là, on va la faire en blanc. On va la laisser blanche. Hop. Alors, est-ce que je vais... Je sens que je vais pas réussir à poser le répéteur. Si, j'ai réussi à le poser. Voilà. Donc, hop. Et on peut commencer à descendre. Tout simplement l'escalier. Tac. 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 Et tac. Voilà. Là, ça a bougé, mais on n'est pas encore à 4. Parce que, comme j'ai dit, pour faire changer les chiffres, il faut avoir. Comment dire? Il faut appuyer, il faut deux pressions. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à 4. Ah oui. Là, comme il est continuellement alimenté. Voilà, deuxième impulsion, il est à 4 là, hein. Donc voilà, là il est à 4. Donc par contre, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est justement ici, il faut qu'il donne deux impulsions. Et ben, on va faire tout simplement, on va lui donner à une autre intervalle, donc à peu près la moitié. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc normalement, on va essayer de garder une symétrie. Hop, on essaie de garder la symétrie. Donc quand il arrivera, il donnera une impulsion quand il arrivera à ce moment-là. Comment expliquer ça? La roue, en faisant un tour, donnera deux impulsions. Ce qui fait que normalement, arrivé sur le chiffre 9, il donnera l'impulsion qui fait que les dizaines descendront d'un chiffre. Donc logiquement, j'ai juste à toucher le bouton là. Donc si je fais faire, donc là on est à 48, 47, 46, 45, 44, 43. 42, 41, 40, et là normalement ça doit faire 39. Et pourquoi que il n'a pas changé? 39, pourtant il est allumé. Tout. Il est allumé, il aurait dû donner l'impulsion. Que s'est-il passé? Bon, on va lancer d'ici, on va lancer le compte à rebours complètement. Ah, vous voyez, j'ai un problème, j'ai le carrousel qui tourne pas. Voilà, signal. Signal qui est... Celui-là, ok, mais celui-là ne dé... J'ai le carrousel qui ne tourne pas. Alors, pourquoi? Parce que celui-là, il est bugué. Il est bugué. Allez hop, des slabs, des slabs, des slabs.
Ok. Tac, tac. J'ai pas pensé à ça. Et puis d'ailleurs, je pourrais même. Si, ça m'alimente celui-là quand même. Et oh. Bon. On repart, on se remet sur le 9. Ah, les réglages, c'est un peu, mais une fois que c'est réglé, c'est tout bon. 4, 3, 2, 1. Et 0 et 9. Donc voilà. Donc là, il faut que faut donner une impulsion. Donc là, hop, on va remettre du vert ici. Du vert ici. Donc là, impulsion. Donne-moi du lapis. Hop. Et pour la symétrie, comme ça. Voilà. Donc là, on est passé à 49 nouveau. 49. Est-ce que cette fois-ci, ça sera assez rapide pour afficher? Ah. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 39. Et le 3, il apparaît sur le 8. Le 3, il apparaît sur le 8. Alors que l'impulsion est bien donnée sur le 9. Donc, c'est ce que je maintiens, c'est que ici, il faudrait que, comme on a un tick de plus pour faire tourner ça, et donc là, Ouais. Là, il y a du délai, hein. C'est vrai que là, il y a du délai. Là, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin de délai. Que je me souviens plus pourquoi j'ai mis du délai. Parce que ce qu'il faut, c'est les synchroniser. Donc là, quand on donne l'impulsion, c'est quoi le... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Pourquoi j'avais mis tellement de délais? Qu'est-ce qui s'était donc passé? Je me souviens plus. C'était à cause de ce délai-là en plus. Ils ont pourtant l'air de sortir en même temps et en plus ça fonctionne. Alors, ce qui fait que ça fait une impulsion. Boum. C'est vrai que l'impulsion, elle a un tick de retard. Au moment où ça arrive sur 9, je vérifie juste à côté. Je suis là ici, quand on arrive. Juste. Ah bah tiens, là on est à 1. Zéro, c'est bien sur le 9, hein?
Voilà. Et là, pourtant, c'est synchrone. Ah, c'est synchrone. Qu'est-ce que j'ai donc fait pour que... On part bien, un tick. Le pulseur. Ici, il n'y a aucun délai. Et d'ailleurs, lui, il n'a pas besoin de ce deuxième répéteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il a 16. Et là, comment j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'aurais peut-être pu faire. Ça m'évitera peut-être ce répéteur. C'est peut-être ce répéteur qui foutait la merde. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Ok, là, normalement, on devrait nouveau être correctement sur eux. Bon. On est sur quel chiffre? On va se mettre sur le deuxième tick. Voilà. Donc logiquement, alors il faudrait qu'ils apparaissent exactement le 9 en même temps que les dizaines de 1, 0. Il est décalé. Il est vraiment décalé. Alors, comme c'est décalé, bah, je crois que c'est simple. Il va falloir que... faudrait que je regarde... Toc, 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 toc. Voilà, celui-là, je sais même plus comment... On va voir l'allumer. Comment que j'ai réglé ça? Est-ce que c'est les répéteurs maintenant sur ça? Ouais, c'est les répéteurs là-dessus. Là, ça s'éteint. Mais le temps que ça s'éteigne, en fait, pour synchroniser, ben, il va falloir synchroniser sur les afficheurs, en fait. Donc, il va falloir qu'on rajoute des délais. C'est pas des simples délais. Hop, il va falloir qu'on rajoute des délais. Donc, il y a une bonne seconde. Donc, hop. On va rajouter 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ça, c'est quelque chose dont je ne me souvenais plus. Hop. 1, 2, 3. On rajoute des délais sur l'affichage, tout simplement. Tac, tac, tac. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Presque. 3, 2, 1, 0, 49. Faudrait un petit délai supplémentaire. Donc, 2, 3, 4, pratiquement d'une seconde. Ah bah. Tac, tac. Ah, maintenant c'est du peaufinage en fait. Mais au moins, voilà. Là c'est fait, là c'est pas fait.
Donc ça veut quand même dire que l'affichage apparaît une seconde en retard par rapport au carrousel, hein. Mais c'est pour ça que là, c'est pas. Vous avez un décompte, vous avez des décomptes, mais c'est pas du coup du précis à la seconde près, quoi. Hein. Donc là, normalement, ça devrait peut-être être bon. On rallume. 43, 42, 41, 40, 39. Voilà! Cette fois-ci, on a bien le 3 en même temps que. Et voilà! Il fallait s'en rappeler. À cette fois-ci, hop, le 29, le 2 et le 9, pratiquement synchrone. Hop. Voilà, pratiquement. Hein. Alors vraiment un poil près. Un poil près. C'est pratiquement, on pourrait rajouter encore un tick sur chaque. Tac, 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 tac. Là, il y a un tick. Tac, tac. Voilà. Et là. Et puis, bien sûr, ne pas oublier d'essayer. Donc, si on ne regarde pas ceux de derrière, donc là, il ne faut pas oublier qu'on a donc un, deux tics, trois tics. Donc, un, deux, trois. Ben, normalement, ils sont réglés. Hein. Normalement, ils sont réglés. Donc là, on devrait même être encore mieux, encore beaucoup, beaucoup plus synchronisé. 1, 0, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boum! Et puis, ah, il n'est pas repassé à 1. Ah. Un décalage. Donc quand vous avez ce décalage-là, vous coupez, tout simplement. Voilà, là c'est. Hop, on va donner une impulsion ici pour dégager du neuf parce que le signal, il est toujours envoyé. Et on va juste donner un coup en plus sur le deuxième carrousel. Voilà. Donc, et puis là, normalement, on devrait repartir correctement. Deux, trois, deux. Alors, 31, 30, 29. Voilà, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Impeccable! Impeccable! Voilà, ça refonctionne. Voilà. C'était un peu laborieux sur la fin, mais c'était pour retrouver. Et ça, c'est mon gros problème. Mais ceux qui me suivent doivent le savoir. C'est que pour un truc qui pourrait mettre une demi-heure, je mets une heure. Tout simplement. Parce que je veux le faire pour vous. Je veux le faire bien en direct. Et voilà, donc je l'ai fait directement comme ça. Bon, de temps en temps, je suis quand même retourné un peu aller voir là-bas. Mais non. Donc voilà, donc maintenant, donc l'explique, donc bah, c'est relié. Maintenant, si vous voulez, donc ça, c'est pour vraiment un compteur de secondes. Donc un compte à rebours ou une horloge. Hein. Donc c'est-à-dire une horloge. Là, ici, nous avons un compte à rebours hein, qui fait des heures. Hein. Donc qui va de. Comment dire, une heure. Il peut avoir une heure de compte à rebours. Donc 59 minutes, 59 minutes, 59 minutes, 59 secondes. Donc bah, une heure quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et pour l'horloge, tout simplement, donc pour que ça compte normal, donc là, si je la lance. Pour que ça compte normal, donc les chiffres, mais pas en décompte, il suffit tout simplement de faire suivre vos chiffres dans l'ordre voulu. Là, on faisait nos chiffres, on commençait par le 9, on faisait avancer le carrousel, on mettait le 8. Ben là, il faudra mettre le 0, faire tourner le carrousel un coup, et mettre le 1, ensuite le 2, ensuite le 3. Le carrousel ne change pas, c'est juste l'apparition de vos chiffres. Et puis le carrousel, donc si vous voulez. Un simple compteur qui va de 0 à 100, de 0, c'est-à-dire pas un compteur horaire,
de 0 à 1000, ainsi de suite, hein, pas des heures et des secondes. Bah, le second carrousel, en fait, il faut faire exactement le même carrousel que le premier. Et là, il n'y aura pas besoin de faire ici une double sortie, puisque à chaque fois qu'on arrivera sur le 0, il faudra faire avancer d'un chiffre. Et là, vous aurez un carrousel à 9 chiffres, à 10 chiffres nouveaux, de 0 à 9. Donc la sortie, au lieu d'avoir ici deux impulsions, parce que là, pour avoir un carrousel à 6 chiffres, mais 6 chiffres, c'est impossible. Donc on a dû le faire deux fois plus grand, la roue. Donc il fallait deux impulsions pour changer le chiffre. Donc voilà. Donc sur ce, donc allez, hop, on va se le lancer. On va tac. On va se le mettre justement, hop, ici à 0. Ici à 0. Voilà. Donc il est à 0. On rappuie une deuxième fois. Hein, vu que quand il passe à 9, il doit arriver à 59. Donc là, il est à 0. Et puis, tac, on va faire la sortie. Hop. Voilà. 59. Et voilà. Donc, hop. C'était Atland. Hop. C'était Atland sur ce tuto des comptes à rebours. Les compteurs c'est exactement la même chose, mais en fait les chiffres dans l'autre sens, hein, tout simplement, il n'y a pas de casse-tête, ça se comporte exactement pareil, sauf que vous mettez les chiffres en fait qui montent au lieu de descendre, hein, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celui qui m'a demandé cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Le tuto est en trois parties, mais je crois que la troisième partie elle est vachement longue, donc voilà. Mais n'hésitez pas pour les autres, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, laissez des pouces bleus, hein, c'est toujours bon de savoir que les gens aiment notre travail. N'hésitez pas à partager. Merci le piaf qui fait la fin avec moi. Chut. Et puis donc on se retrouve sur de prochaines vidéos. Et là on arrive sur la fin. 3, 2. Bye bye tout le monde!